ils prennent un peu d'avance pour maintenir Barrault à distance. Pas vu arriver, on l'a bien vu au ralenti par contre, c'était essai. Regardez, on lance Mitchell, lance au ras Timothy Wing qui arrive lancé. Par trois joueurs anglais, voilà qui repart cette fois-ci. C'est un ballon pour Timothy Wynne. Timothy Wynne qui lui n'est pas le frère. Thunderous challenges from Toulouse. But again, he's hit the ball. He's got to make sure he controls that. Lock up that ball. Par rapport à Sheffield, d'où cette septième place. Puisque Sheffield 6e et Toulouse. Lui accordera une mêlée à quelques 13 mètres, 12, 13 mètres de la ligne de but de Lille. Avec un tap pénalty. Suite à ce coup de pied des croisés, cette passe au pied de Nathan White pour. Briggs takes the tackle, he had Sebastian Planas right in his face, and they're all. Pour les playoffs, une victoire qui leur tendait les bras ce soir. Allez, gros. C'est pas mal cette balle à droite. Oh, ce sera au Stade Ernest Argelès de Blagnac. Par l'intermédiaire de l'arrière Yann Mort, avec un ballon qui sera in fine récupéré encore une fois par l'excellent Henri Branlé qui lui le donne cette fois-ci eh bien, à l'un de ses avants. Il est prêt aussi physiquement, ce qui est d'être le cas, on sent quand même dans cette fraîcheur. De Witness aurait pu se faire sanctionner sur le coup. Le ballon est conservé par Timothy Wynne. Les Toulousains progressent de plus en plus, c'est pas mal ce que. Brendan Werf qui. Il joue rapidement avec l'accès. En avant, repris hors jeu par un joueur de Barrault volontairement. Regardez, là, c'était la percée d'Anselme. Nous offre une belle opposition là avec l'accélération de Timothy Wynne qui échoue. Très certainement avec une attaque avancée pour Wynne. Wynne qui essaie de le donner ce ballon cette fois-ci pour encore une fois son arrière intercalé. Il s'agit de Rory Branlé.